À la frontière entre le Rwanda et le Zaïre, en cette fin juin 1994, c'est le chaos. Un pays tout entier, le Rwanda, se vide de sa population Hutu, l'ethnie majoritaire du pays dont les dirigeants viennent de commettre l'irréparable. Le génocide le plus rapide du XXe siècle, le génocide des Tutsis. Personnes méthodiquement massacrées en à peine 3 mois. Des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés. Hommes, femmes, enfants, personne n'en réchappe. Dans ce flot humain qui passe la frontière, les dignitaires du régime génocidaire et leurs complices se sont mêlés à la foule. Parmi eux, cet homme. C'est l'un des principaux responsables Hutus du génocide. Avant de disparaître dans la nature, il menace de mort le journaliste qui vient de le retrouver dans sa fuite. Mais aujourd'hui, il faut qu'ils amènent les gens que j'ai tués, qu'ils montrent, qu'ils prouvent ça. Sincèrement, vous pensez qu'ils peuvent les amener? Amener les gens que j'ai tués. Vous êtes aussi payé. Ça suffit. Ce que vous avez mangé, ça vous suffit. Un jour, tu vas mourir. Tu commences à m'énerver jusqu'à ce point. La cavale du colonel Bagosora sera de courte durée. Arrêté 2 ans plus tard au Cameroun, le tribunal pénal international l'a condamné à la prison à vie. Aujourd'hui, beaucoup d'autres sont toujours en fuite. 16 ans après les faits, la justice internationale en recherche officiellement 11, tous considérés comme de hauts responsables. Mais par-delà cette poignée de dignitaires, combien de complices, combien d'assassins encore en liberté? Quelques-uns se cachent en Afrique. Certains ont trouvé refuge en Europe, beaucoup sont en France. Ils y vivent en toute impunité, bien intégrés dans notre société. C'est ce que va révéler notre enquête. 6 mois de traque pour retrouver ces Rwandais que tout accuse dans leur pays. Nous découvrirons que la veuve de l'ancien président accusé d'avoir couvert le génocide mène aujourd'hui une existence bien tranquille. Qu'un médecin, pourtant condamné à perpétuité au Rwanda, exerce son métier dans notre pays. Comme si de rien n'était. Et puis, il y a cet ancien militaire, autre génocidaire présumé. Il vit libre, en famille, dans le sud de la France, alors qu'il est recherché depuis longtemps par Interpol. Tous présumés coupables, mais la justice française a jusqu'à présent choisi de les ignorer. Mars 2010. 16 ans après le génocide, les plaies sont toujours à vif. Les lieux de mémoire sont nombreux, comme à Murumbi, une région qui a payé un lourd tribut dans le génocide. Ici, lorsque les charniers ont été découverts, on a choisi d'exposer les corps, de montrer l'horreur. Quand il est au Rwanda, c'est devenu un pèlerinage habituel pour Alain Gauthier. En France, il a fondé le CPCR, le collectif des partis civils pour le Rwanda. Depuis 10 ans, il enquête sur tous les présumés génocidaires vivant en France. C'est le combat de sa vie. Coup de machette. Ce bébé, vous voyez, on a presque le sentiment qu'il a la position d'un bébé qui était sur le dos de sa mère. Ils n'ont épargné personne. Ah, voilà, la preuve est là. Hein. Du bébé au vieillard,
les femmes, les hommes, les bébés dans le ventre de leur mère. Voilà, ça se voulait être l'extermination totale. Ce combat, Alain Gauthier le mène aussi pour honorer la mémoire de sa belle famille, décimée pendant le génocide. Venir ici, pour moi, c'est vraiment aussi un encouragement à continuer le combat pour la justice, parce que ceux qui sont là aujourd'hui exposés, y a des gens qui ont tout fait pour que ça ait lieu, Il y a des gens qui ont organisé cette extermination, ce génocide. Et donc, la justice doit être un chemin obligatoire. Et sur ce long chemin, Alain Gauthier s'est mis en tête d'identifier lui-même les responsables pour espérer un jour leur procès. Une quête inlassable que ce directeur de collège poursuit bénévolement. Nous, nous représentons les victimes et nous sommes en droit de demander à la justice française de juger enfin les génocidaires rwandais qui sont sur le sol français. Je crois que c'est un crime le plus extraordinaire qui puisse exister, le crime de génocide. C'est un crime imprescriptible et donc nous devons continuer à nous battre pour que justice soit rendue aux victimes. Dans cette mission difficile, Alain Gauthier n'est pas tout seul. Dafrosa, sa femme, est à ses côtés pour rendre cette justice aux victimes, comme ils le disent eux-mêmes. On vit dans l'obsession de ce génocide. C'est un génocide qui nous habite, je dirais, quasiment jour et nuit. Mais je crois que notre choix a été fait une fois pour toutes. Et plus rien aujourd'hui ne peut ou plus rien ne doit nous arrêter. Dafrosa, est-ce que ce choix est lié aussi au fait que votre famille ait été décimée ? Moi, je vous avoue que tout ce que nous faisons, tout ce que je le fais pour eux. Je ne peux pas dire autre chose. Hein. C'est avec beaucoup d'émotion que je le dis, mais même quand je suis fatiguée, que j'en ai marre, je le fais pour eux. L'histoire d'Alain Gauthier et de Dafrosa se confond avec celle du Rwanda. Le jeune professeur de français découvre ce petit pays enclavé au cœur du continent africain à la fin des années 70. Il y rencontre aussi celle qui deviendra son épouse. À l'époque, le général Habyarimana dirige le pays. C'est un Hutu, l'ethnie majoritaire au Rwanda. L'autre ethnie, ce sont les Tutsis. Entre les deux, une haine ancestrale. Longtemps écartés du pouvoir, les Hutus imposent alors aux Tutsis de nouvelles règles. Certains emplois leur sont interdits. L'origine ethnique est obligatoire sur tous les documents d'identité. Partout dans le pays, des massacres succèdent aux massacres. Une rébellion s'organise. À sa tête, un homme. Il s'appelle Paul Kagame. Entre Habyarimana, le Hutu, et Kagame, le Tutsi, la guerre va durer des années. Jusqu'aux accords de paix d'Arusha, voulus par la communauté internationale. Nous sommes en 1993. Mais cette paix, c'est en fait le retour des Tutsis aux affaires. Les extrémistes Hutus la refusent, ils se radicalisent. Entre Hutu et Tutsi, la haine atteint désormais son paroxysme. Au soir du 6 avril 1994, la destruction en plein vol par deux missiles de l'avion du président va embraser le Rwanda. Le ministre de la Défense a la profonde douleur d'annoncer au peuple rwandais le décès inopiné du chef de l'État, son Excellence le général-major Habyarimana. Aussitôt, dans les rues de Kigali, la capitale, des barrages sont dressés par les miliciens Hutus. On les appelle ici les Interahamwe. Quand ils découvrent les Tutsis, ils les massacrent à coups de machettes et de gourdins. En quelques heures, c'est tout un pays qui bascule dans l'horreur. Le génocide est en marche. «
Une des caractéristiques du génocide des Tutsis Rwanda, c'est effectivement ce génocide de proximité. Hein. Le voisin a tué le voisin, parfois le mari a tué sa femme, parfois les enfants. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, d'assez terrible. Kigali aujourd'hui. La résidence présidentielle du couple Abiarimana, un musée non officiel où trônent encore quelques vestiges de l'époque. C'est précisément ici que tout a commencé. Par une étrange ironie de l'histoire, quand l'avion du président explose dans le ciel, c'est dans les jardins de la résidence que la carlingue et les réacteurs viennent s'écraser. Seize ans après, le long du mur d'enceinte, les débris de l'avion font toujours partie du décor. Là va se produire le premier massacre du génocide. Quelques heures à peine après l'attentat, tous les voisins Tutsis du quartier sont assassinés par la garde présidentielle. Chantal est une miraculée. Quelques jours avant la tuerie, inquiète, sa mère l'avait cachée dans une autre famille de Kigali. C'est ce qui l'a sauvée. Là, c'était chez Agathe. Ici, dans la bananeraie, ça grouillait de militaires de la garde présidentielle. Là-bas, il y avait notre maison. Nous étions 9 enfants. Et tout autour, il y avait d'autres familles Tutsi. Les gens ici sont morts sans comprendre ce qu'il se passait. Ils ont vu une boule de feu tomber du ciel. Et tout de suite après, les militaires sont arrivés. Et ils ont massacré tout le monde. Voici à quoi ressemblait la bananeraie au lendemain de l'attentat. Dans tout le quartier, seules les familles Hutu ont été épargnées. À part le personnel de la résidence qui travaillait pour Agathe, et aussi les gens du quartier, il n'y avait que la garde présidentielle qui s'aventurait ici. Pourquoi la garde présidentielle a-t-elle agi ainsi? Qui lui a donné des ordres? Son chef suprême vient de mourir dans le crash de l'avion. Dans les heures qui suivent, la seule à détenir le pouvoir, c'est Agathe, la veuve du président. Chantal n'a donc aucun doute sur sa responsabilité dans ce premier crime. Tout de suite après la mort du président, Agathe était la seule personne à pouvoir donner des ordres à la garde présidentielle. De toutes ces familles Tutsi, il n'y a plus personne. Une femme a pu en réchapper, elle s'appelle Florence. C'est elle qui nous a raconté comment les nôtres ont été tués. Florence vit désormais loin de ce quartier. Elle a accepté de nous recevoir, de nous raconter ce qu'il s'est passé ce soir-là autour de la résidence présidentielle. Elle est l'unique rescapée de cette nuit de cauchemar, le seul témoin oculaire des tueries. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, et je reste ici, on l'attend ici. Florence, la voilà, marchant péniblement, séquelle de ses blessures. Dans la maison familiale, ils étaient 16. Ses parents, ses frères et sœurs, ses nièces et ses neveux. Aujourd'hui, elle est seule. Avec Agathe, nous avions de bons rapports de voisinage. Elle nous invitait souvent à la résidence quand il y avait des fêtes, par exemple. Le dimanche, on allait à la messe ensemble. Elle était très croyante, vous savez. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'elle était surtout très machiavélique. Comment cette si bonne chrétienne a laissé sa garde présidentielle nous massacrer comme ça? Elle qui avait tout pouvoir. Lorsque la garde présidentielle quitte les lieux, Florence est laissée pour morte au milieu des cadavres des siens. Le lendemain, les tueurs reviennent pour achever les blessés. À leur tête, le propre neveu d'Agathe Abiarimana, Joseph, alias l'animal, connu de tous pour sa cruauté. Ils nous ont sortis de la maison et traînés jusqu'à la porcherie qu'avait Agathe à la résidence. Là, sous mes yeux, ils ont découpé les corps des miens en morceaux, petit à petit, et les ont donnés à manger aux cochons.
Je me souviens lui avoir dit au bout d'un moment, « Écoute, Joseph, laisse-moi prier pour que Dieu me reçoive et aussi pour qu'il ait pitié de toi. » Il m'a immédiatement donné un énorme coup de gourdin sur la tête. Je saignais tellement que pour la deuxième fois, ils m'ont laissée pour morte. Elle était derrière tout ça. Elle a laissé faire. En tant que voisine et femme du président, elle pouvait tout arrêter. Si vous aviez Agathe en face de vous, que lui diriez-vous? Ce que je lui dirais, mets-toi à genoux et demande pardon. Le 9 avril, trois jours après l'attentat contre l'avion et les premiers massacres commis autour de la résidence présidentielle, Agathe Abiarimana quitte le Rwanda. La veuve du chef de l'État assassiné est prise en charge par la France, qui évacue ce jour-là tous ses ressortissants. Un geste politique du président Mitterrand, auquel s'ajouteront à l'arrivée un bouquet de fleurs et l'équivalent de 30 000 euros, histoire de subvenir aux premiers besoins d'Agathe. En 1998, l'ex-première dame choisit de s'installer définitivement en France. Ici, dans la région parisienne, elle vit tranquillement en famille avec enfants et petits-enfants. C'est là que nous l'avons retrouvée, là où elle cherche à se faire oublier. Agathe Abiarimana mène une existence paisible de grand-mère, pas tout à fait comme les autres. En témoigne ce mandat d'arrêt d'Interpol, conséquence d'une demande d'extradition de la justice rwandaise. En France, le collectif des partis civils pour le Rwanda d'Alain Gauthier a porté plainte contre elle pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. On a suffisamment d'éléments pour laisser entendre qu'effectivement Agathe Abiarimana a joué un rôle. Maintenant, quel rôle? C'est quelque chose de difficile à dire parce que c'est un rôle relativement occulte. Maintenant, que la justice se mette au travail. De son côté, la justice internationale, qui a déjà jugé et condamné de nombreux génocidaires, n'a jamais poursuivi Agathe. Officiellement, il n'y a aucune preuve, aucun témoignage direct. Car c'est la chose la plus difficile à recueillir, et cet Américain le sait bien. Dès 2001, il était l'un des procureurs du Tribunal pénal international. Il faut être capable de démontrer que ces individus avaient des responsabilités directes dans le génocide, soit parce qu'ils donnaient des ordres pour ce qui a été fait, soit parce qu'ils étaient au courant de ce qui se passait tout en négligeant de punir ces actes. Mais tant qu'on ne peut pas fournir de preuves confirmant ces suspicions, on ne peut que soupçonner, on ne peut pas condamner. Le cas d'Agathe est très compliqué d'un point de vue juridique, puisqu'elle a quitté le pays dès le 9 avril, donc le troisième jour du génocide. Bien sûr, si de nouveaux éléments surgissaient prouvant son implication directe, particulièrement dans les trois premiers jours, il serait normal qu'elle soit inculpée. Aujourd'hui, le témoignage de Florence, l'unique rescapée, pourrait bien être l'un des éléments qui manquent à la justice internationale. Il a fallu de longues négociations avec son avocat pour qu'Agathe Abiarimana accepte finalement de nous rencontrer. Il faut dire que cette femme déteste les interviews et fuit les médias. Pour cet entretien exclusif, deux de ses fils sont à ses côtés. Tout de suite, nous avons souhaité connaître son sentiment sur l'assassinat des familles voisines de la résidence dans la nuit du 6 avril. Il y aurait eu des massacres autour de la résidence de familles Tutsi. Dès le 6 au soir, est-ce que vous connaissez cette histoire? Je ne peux pas savoir vraiment. Là, je ne peux pas savoir. Parce que je suis restée à l'intérieur de la maison, je ne suis pas sortie, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Florence Mukandairo, vous vous rappelez de cette dame? Florence Mukandairo, je ne peux pas, je ne sais pas. Est-ce que vous étiez en bon terme avec même vos voisins Tutsi? Je vous le dis, mais des amis, beaucoup d'amis Tutsi. Et on s'entendait bien depuis des années. Ses voisins venaient souvent à la résidence quand vous faisiez des fêtes. Des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année, ils venaient à la maison. Les enfants s'entendaient avec nos enfants. Vous comprenez que mes amis, est-ce que j'aurais pu permettre que l'on puisse faire du mal à une amie?
Elle raconte que la garde présidentielle arrive et tue les familles. Je ne peux pas savoir, je vous l'ai dit vraiment, j'étais à l'intérieur de la maison, je ne laissais pas quand même les portes ouvertes, on était avec mes enfants, on était enfermés. On dit que vous, vous donnez des ordres à la garde présidentielle ce jour-là, cette nuit-là. Écoutez, vous exagérez parce que moi, je n'ai jamais donné l'ordre à qui que ce soit. À l'entendre, quand ses voisins sont assassinés, Agathe Abiarimana est à l'intérieur de la maison. Prostrée dans son deuil, elle ne sait donc pas ce qui se trame dehors. Jean-Luc, son fils, participe lui aux recherches du corps de son père, dans les jardins de la résidence et dans les parcelles voisines, là même où vont avoir lieu les tueries. Sincèrement, on ne peut pas vous le confirmer, ni l'infirmer d'ailleurs. En aucun cas, on a été témoin de massacres autour de la résidence, voilà. Elle s'est installée, je dirais, systématiquement dans ce rôle de femme du président, de mère de famille. Ça, je dirais, c'est une tactique de sa part de dire, ben non, je n'y suis pour rien, je ne suis qu'une pauvre veuve à qui on a tué le mari. Mais voilà, je ne sais rien, je n'ai rien vu. D'ailleurs, je n'y étais plus pendant le génocide. Il y a derrière cette femme de pouvoir, un pouvoir bien sûr probablement occulte. C'est une personnalité, pour ma part, je dirais, assez inquiétante. Une femme aux deux visages, celui d'aujourd'hui, une mère et grand-mère, veuve d'un chef d'État assassiné, et celui d'avant le génocide, une femme à la poigne de fer. Accusée par ses détracteurs d'appartenir, voire de diriger un clan criminel et affairiste de Hutu extrémistes, la Kazou. Un petit groupe parmi lesquels on retrouve les frères d'Agathe et le fameux colonel Bagosora. Pour les organisations des droits de l'homme, c'est ce petit cercle qui a planifié et déclenché le génocide. Elle en était le cœur, elle en était l'instigatrice. Et ce sont ces gens-là qui, dès 1990, effectivement, se sont retrouvés pour fomenter, même contre le président Abiarimana lui-même, qu'il trouvait trop laxiste par rapport aux accords d'Arusha. C'est quand même ce cercle-là, et là, ce sont des historiens qui le disent, qui est véritablement au cœur du génocide des Tutsis. Qu'est-ce que c'est la Kazou d'abord? C'est ça les gens qui racontent, c'est un Kazou qui connaissent mieux que moi parce que je n'ai jamais fait partie de la Kazou. Moi, je suis fatiguée de dire mensonge, tout est mensonge. Les membres de la Kazou, moi j'ai regardé, c'est quand même des proches à vous. Comment vous expliquer? Ce sont des familiers. Mais je vous dis que je n'ai jamais fait des cercles autour de moi. Parmi les intimes qui gravitent autour d'elle à l'époque, un homme tient pourtant une place importante. Il s'appelle Félicien Kabouga. Je pense qu'il est juste de dire qu'il est le financier du génocide. Il était à l'époque le Hutu le plus fortuné du Rwanda. Il a joué un rôle clé dans le financement des groupes de miliciens. Surtout, il existe des preuves qu'il a importé des centaines de milliers de machettes dans le pays dès 1993. Il existe aussi des témoignages concernant leur distribution et leur usage pour le génocide. Au début des années 90, cet étrange homme d'affaires investit aussi dans les médias. Avec la plupart des membres de la Kazou, il dirige notamment Radio Mille Collines. Durant toute la durée du génocide, cette radio va jouer un rôle considérable. Félicien Kabouga n'a jamais été arrêté. Il serait aujourd'hui caché au Kenya. Sa capture vaut 5 millions de dollars. Monsieur Kabouga, c'était un proche à vous. Ah, lui aussi fait partie de la Kazou. C'est ce qu'on dit. On dit même qu'il a été le financier du génocide. Qu'il soit le financier, je n'en sais rien, moi. C'est qui donnait, c'est sa part. Qu'on ne me demande pas, je ne peux pas savoir. Je sais que Kabouga a donné deux filles chez nous. Enfin, il y a deux de nos frères qui sont mariés avec deux filles de Kabouga, dont Léon d'ailleurs. D'accord. La famille Abiarimana sait peut-être où se cache Félicien Kabouga, mais nous n'en saurons pas plus. Agathe préfère s'en tenir à son nouveau rôle, celui de veuve éplorée. Ah,
Jour de recueillement au Rwanda, on commémore le déclenchement du génocide. Dans ce mémorial de Kigali, la famille de Dafroza s'est réunie pour communier avec ses morts, pour ne pas oublier tous ceux qui ont disparu emportés par la folie des hommes. Pour Alain Gauthier, c'est le départ d'une nouvelle enquête. Les collines de Kibouye, à l'ouest du pays. Au moins 200 000 victimes ont péri dans cette région à forte densité Tutsi. Parmi les acteurs du génocide qui ont œuvré ici, quelques-uns ont été condamnés par la justice rwandaise et par le tribunal international. Mais d'autres ont réussi à passer entre les mailles du filet. Ils étaient pourtant les serviteurs zélés d'une politique génocidaire. Parmi eux, l'ancien responsable sanitaire de la région, Charles Twagira. Quand les tueries commencent, il dirige cet hôpital. On le soupçonne d'avoir ordonné des massacres à l'intérieur même de l'établissement. Et c'est au parquet de Kigali qu'Alain Gauthier espère réunir les preuves qui permettront un jour un procès. C'est vrai que dans nos dossiers, dans les plaintes qu'on prépare, on a beaucoup de documents qui émanent de la justice rwandaise. Ce sont des documents vraiment irremplaçables. Pour cette nouvelle affaire, le procureur lui ouvre ses archives, à l'intérieur des témoignages à charge. Il met aussi à la disposition d'Alain Gauthier un enquêteur déjà familier du dossier. Objectif, décortiquer les nombreux témoignages écrits en rwandais. S'il parle de Twagira, ça nous intéresse. S'il n'en parle pas... Charles est allé directement ouvrir la maison où se trouvait la famille du docteur Camille. D'accord. Oui, donc il les a livrés et... Il est allé ouvrir et a livré la femme et ses trois enfants et directement ont été tués. Charles Twagira n'aurait pas tué de ses propres mains. Mais à l'époque, il était, semble-t-il, un idéologue convaincu du pouvoir Hutu. En parcourant son dossier, Alain Gauthier va découvrir des éléments terribles. Le docteur serait directement responsable du massacre de la famille d'un collègue Tutsi, le docteur Camille. On parle de Camille Kalimouabo. Qui était-il ? Qui était un médecin, directeur de l'hôpital de Kibouye, donc un collègue de Charles Twagira. Et beaucoup de témoins accusent Charles Twagira d'avoir livré la femme et les enfants de Camille Kalimouabo. Le docteur Camille, c'est un témoin important pour nous. Donc c'est lui que je voudrais rencontrer. Monsieur Kalimouabo, c'est Alain Gauthier. Alain Gauthier. Trois jours avant le début du génocide, le docteur Camille est convoqué à Kigali pour un colloque. Méthode. Il est obligé de se terrer dans la capitale, impuissant. Sa famille est restée à Kibouye, à 300 km de là. Il ne peut rien pour elle. Vous connaissez bien le docteur Twagira? Mais on était ensemble à Kibouye. Je suis catégorique responsable de la mort de ma famille. Tu m'as parlé du docteur Blam. Oui. On a travaillé ensemble pendant des années. J'ai été médecin directeur de l'hôpital. Docteur Blam comme coopérant. Le docteur Blam, un nom souvent évoqué dans les témoignages consultés par Alain Gauthier. C'est un médecin allemand présent à l'hôpital de Kibouye pendant tout le génocide, un témoin capital. Il a vu les tueries. Il a vu comment on a tué ma femme, comment on a tué mes enfants. Est-ce que les Français vont juger les génocidaires en France? On est là pour ça.
faut l'attraper. Il faut attraper ce génocide. Mais on va demander à la justice de s'en occuper. Wolfgang Blam, nous l'avons retrouvé. Il vit dans la région de Francfort, où il est toujours médecin. Traumatisé par ce qu'il a vécu au Rwanda en 1994, l'ancien coopérant n'avait jamais voulu témoigner jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas souhaité que l'on filme son quartier, sa maison, sa famille. C'est le long de ce canal qu'a eu lieu notre première rencontre. Concernant Charles Touaguira et son comportement pendant le génocide, son témoignage est sans appel. Sans qu'il ait tué de sa propre main, il est un des éléments importants dans cette machine de génocide. Est-ce que vous savez où vit Charles Touaguira aujourd'hui? Les amis, un ami nous a informé qu'il est arrivé en France. On avait toujours l'espoir qu'il sera appréhendé d'une façon ou d'une autre, parce que ça nous faisait mal de savoir que quelqu'un impliqué, trempé si profondément dans le génocide, soit calme quelque part dans le monde. Après enquête, nous découvrons que Charles Touaguira vit à Rouen, en Seine-Maritime, plus précisément dans ce quartier. Nous nous installons discrètement au pied de son immeuble. L'homme habite là depuis 4 ans. Il ne fait l'objet d'aucune poursuite internationale et n'est pas recherché par Interpol. Et quand Charles Touaguira sort de chez lui, il est un riverain comme un autre, un anonyme. Selon nos informations, il serait toujours médecin et travaillerait au CHU de la ville. Pour le vérifier, direction le bureau du personnel. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je voulais un petit renseignement, je suis à la recherche d'un interne qui a travaillé ici. C'est le docteur Touaguira. Il est aux urgences. C'est un médecin qui est aux urgences. Donc il travaille bien ici au CHU de Rouen. Ouais. Ok, merci beaucoup madame. Médicale, bonjour. Je cherche à joindre le docteur Touaguira. Le docteur Touaguira. C'est un interne là. Oui, il est côté femme, oui. Ah. Vous avez le numéro? Il passe la journée chez les femmes aujourd'hui? Oui, c'est ça. Bon, merci. Au revoir. Équipé d'une caméra cachée, nous pénétrons aux urgences. Des heures d'attente dans le hall d'accueil, mais le docteur Touaguira n'apparaît pas. C'est pourtant au bout de ce couloir qu'il travaille. Nous y entrons prétextant accompagner un malade. Devant nous, Charles Touaguira apparaît. C'est une confirmation. Le médecin mis en cause au Rwanda est bien interne au CHU de Rouen. Au Rwanda, Alain Gauthier poursuit son enquête. Objectif aujourd'hui, l'hôpital de Kibuye. Il vient d'apprendre qu'une fosse commune a été mise à jour. Ce sont ses ouvriers qui ont fait la macabre découverte lors de travaux de terrassement. 116 corps ont déjà été exhumés, essentiellement des femmes et des enfants. Probablement qu'encore dans ces coins-là, il doit y avoir d'autres fosses, d'autres cadavres qui n'ont toujours pas été découverts. Vous voyez, c'est tout à fait immédiatement à côté de l'hôpital. Hein, donc ce sont des victimes qui ont été sorties de l'hôpital et qui ont été enterrées ici. Tiens. Thank you.
Alors la seule différence avec les charniers qui étaient découverts de bonne heure, on n'a pas les odeurs de mort qu'on a pu avoir lors de l'ouverture des premières fosses communes. Hein, c'était ces odeurs de mort, de cadavres, qui vous habitaient après même. Vous aviez l'impression d'avoir avalé quoi, cette odeur-là qui vous collait à la peau. Voilà. Voilà. Hop. Ben là, il y a les petits os des phalanges qui sont. Mais on voit bien hein, là, le membre ici avec le. C'est un os. Ben là il y a probablement un corps entier. Hein. Vous comprenez pourquoi aussi c'est important hein, de chercher à savoir ceux qui sont à l'origine de ces crimes. Hein. À Rouen, la nouvelle vie de Charles Touaguira est bien organisée. Quand il n'enfile pas la blouse de médecin, l'homme prêche la bonne parole dans cette église évangéliste. C'est là que nous avons choisi de l'aborder. Bonjour madame. À quelle heure est l'office ? Autour de 11h, 11h moins 5. Parce qu'on m'a parlé du pasteur Charles. Il est là aujourd'hui ? Charles Touaguira. Ouais. Charles Touaguira est là, oui. Je voudrais le voir. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Enchanté. Vous êtes monsieur Touaguira ? Oui. D'accord. Je peux vous dire un petit mot, peut-être un peu à l'écart, ça ne vous dérange pas. Excusez-moi de vous déranger, vous n'avez pas l'office qui démarre là tout de suite. Je viens vous voir pour discuter un petit peu avec vous du Rwandin, vous l'imaginez. Il y a beaucoup de témoignages qui vous mettent en cause. À Kibouye, il y a eu des tueries dans l'hôpital, par exemple. Est-ce que ça, c'est vrai ? Ça, c'est vrai qu'il y a eu des tueries dans l'hôpital. Et il y avait le docteur Camille, que vous connaissez aussi, oui. Qui travaillait à l'hôpital. La famille du docteur Camille, elle a été tuée. Oui. Il y en a même qui disent qu'elle a été tuée sur vos ordres. Mes ordres ? Maintenant, on va commencer le crédit. D'accord. Mais on peut prendre rendez-vous, bien, je vous donne mon email. Quand est-ce que je peux vous voir ? J'aimerais que vous me donniez une interview. Vous acceptez ? Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, dites-moi à quelle heure je peux revenir vous voir. Ou vous retrouver à un autre endroit, ce qui vous arrange. À 14h. À 14h ? Pendant 14h. Oui. On se rencontre sur la station. Et... Total. Au point de rendez-vous, le docteur Touaguira est bien là. Mais entre-temps, il a changé d'avis. Je n'ai pas besoin de me défendre devant les journalistes. Je me défendais devant la justice. Si on m'accuse devant la justice, moi, je répondrai. Notre enquête sur ses agissements présumés lors du génocide en est peut-être la raison. Retour à Kibouye, au centre de détention de la ville. La plupart des détenus ici ont pris part au génocide et beaucoup d'entre eux ont connu Touaguira. Pour Alain Gauthier, ces prisonniers se révèlent une source d'information primordiale. Et ce jour-là, d'anciens miliciens acceptent de lui parler, deux d'entre eux notamment. Edmond a été condamné à 14 ans de prison pour meurtre. Samson, l'ancien gardien de l'hôpital, condamné à 30 ans, 3 meurtres avoués seulement, mais toujours suspecté de plusieurs dizaines d'assassinats. Est-ce que le docteur Touaguira, d'après toi, a joué un rôle très important dans le génocide à Kibouye ? Évidemment, il a coordonné et organisé plusieurs tueries. Il y a beaucoup de témoignages ici. Bien sûr que c'était un responsable. Ah, celui-là, c'est un vrai criminel. C'est lui qui a fait assassiner la famille du docteur Camille. Vous savez, ces gens-là ne tuaient pas de leurs propres mains. Ils donnaient les ordres, c'est tout. À l'appel des prisonniers, surprise pour Alain Gauthier. L'un des gardiens lui apprend la présence d'un prisonnier pas comme les autres. Oh, oui, il faut qu'on l'interroge. Ah oui ? Ah oui ? Ah ! Ben oui, ça. Ben oui, oui. Non, c'est important.
personne là qui vient. C'est le monsieur qui vient. Ah oui. Le monsieur qui vient, c'est l'ancien maire de la ville. Il a été condamné à perpétuité par les tribunaux rwandais pour crime de génocide et la personnalité est encore populaire chez ses anciens administrés. Comme Charles Touagira, c'était un haut fonctionnaire, les deux hommes se sont bien connus. Bravo. Bravo. Bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Carrara. Yes. Ah, oui. Le bourgmestre de Kibouye. Kibouye. En 1994. Oui. Ok. Et vous connaissez bien monsieur Touagira? Non, je ne sais pas. Ça dépend de ce que vous voulez savoir. Ce qui est important, c'est nous de savoir, c'est quel a été son rôle pendant le génocide. Okay. Okay. C'est uniquement ça qui nous intéresse. Vous avez de faire une investigation sur... Sur Touagira. Ok. Donc il n'y a que ça qui nous intéresse. Ok. Moi, il faut voir comment le massacre s'opérait. Il y avait des groupes qui étaient actifs. Il y avait des gens qui étaient plutôt derrière. Lui, il est plutôt derrière les groupes qui ont fait les massacres. Et comment vous expliquez qu'il ait basculé comme ça dans le génocide? Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est un peu difficile. Vous trouvez une personne qui est très bonne, très gentille, tout d'un coup, vous le voyez avec une machette. Alors c'est dommage, des fois on se demande. Le premier massacre de masse à Kibouye a eu lieu ici, au stade de la ville. En à peine quelques jours, 10 000 personnes arrivant des campagnes y sont parquées. On leur promet sécurité et tranquillité. Le 17 avril, 10 jours après le début du génocide, elles sont toutes supprimées. Les Tutsis venaient se réfugier au stade. Les gendarmes montaient la garde, soi-disant pour les protéger. La vérité, c'est que c'était le meilleur moyen de les rassembler au même endroit pour mieux les exterminer plus tard. Lorsqu'Albertine arrive au stade 3 jours avant le massacre, elle a fui son village avec ses parents, ses frères et sœurs et quelques voisins. De ce petit groupe, elle est la seule à avoir survécu. On était désespérés, les miliciens entouraient le stade. Quiconque tentait de s'enfuir était immédiatement abattu. Le docteur Blam, le médecin coopérant allemand, était sur place. Il a tout vécu. Dans une des discussions avec M. Touagira, je me rappelle que j'étais étonné, presque effrayé, par ses paroles en disant qu'il voit et il considère que les réfugiés dans le stade constitue une menace pour la population. Et il a dit qu'ils peuvent sortir, ils peuvent voler, ils sont les ennemis de la population. Bon, à ce moment, j'ai compris que Touagira fait partie du groupe politique qui croit que tous les Tutsis sont des rebelles et qu'il est du côté des génocidaires, en fait. Ils nous ont d'abord attaqués à la grenade lacrymogène, on suffoquait. On courait dans tous les sens, personne ne pouvait s'échapper. Les gens perdaient connaissance. Et là, ils se sont mis à tirer dans le tas. Ils ont lancé des grenades. On voyait voler des jambes, des bras, on voyait des crânes éclater. C'était vraiment l'horreur absolue. En l'espace de quelques minutes, j'avais plus que des cadavres autour de moi. Grièvement blessée, elle profite de la nuit pour se cacher dans la brousse. Elle parvient à rejoindre l'hôpital quelques jours après. Mais à la place du docteur Camille, c'est maintenant Touagira qui règne sur les lieux. Et le règlement s'est durci. Interdiction au personnel médical de soigner les Tutsis. Pire, il faut les dénoncer aux miliciens. Heureusement, tous n'ont pas respecté les ordres, comme cette infirmière Hutu qu'Albertine retrouve par hasard dans la cour. C'est une miraculée, Albertine. Oui, vraiment, quand je la vois, personne ne pensait qu'elle allait survivre. Bonjour.
Voilà, c'est jusqu'à cette chambre que je me suis traînée. J'étais là, j'étais sur ce lit. À l'intérieur de l'hôpital, est-ce qu'il y a eu des tueries ? Bien sûr, ils tuaient des gens tous les jours, même à l'intérieur des bâtiments. On nous traquait jusque dans les chambres, dans tous les recoins de l'hôpital où on pouvait se cacher. À l'hôpital, il y a eu beaucoup de massacres. Il y en a eu beaucoup. Le docteur Touaguera était présent à ce moment-là ? Oui, oui. Vous êtes sûr ? Non, il n'a pas quitté Kibouye, il était là. Au bout de deux jours, une certaine Delphine est arrivée. Elle s'est installée sur ce lit, on était côte à côte. Delphine, c'est elle. Elle n'a jamais revu Albertine. Elle a refait sa vie en France. Ils étaient armés de fusils, de machettes, d'épées, de tout ce que vous voulez. C'était des va-et-vient tout le temps. On n'avait jamais un moment de répit. C'est pas possible que ça se passe comme ça sans l'accord du responsable de l'hôpital. Évidemment que les responsables étaient au courant de ce qui se passait. Les miliciens entraient et sortaient comme dans un moulin. Comment voulez-vous que ça se fasse sans l'accord des autorités ? Nous avons montré à Delphine les photos des miliciens retrouvés à la prison de Kibouye. C'est celui qui a été désigné pour aller me tuer. On rentrait, on tuait les gens dans l'hôpital et on jetait les cadavres dehors. Il y a eu combien de morts à l'intérieur de l'hôpital ? Il y en a eu beaucoup. Combien à peu près ? Je sais pas exactement. On tuait tous les jours. À Rouen, notre insistance a payé. Le docteur Touaguera accepte de nous parler. Sur son rôle joué à l'hôpital de Kibouye, le médecin est catégorique. Il plaide non coupable. J'ai demandé qu'aucun milice et milicien n'entre dans l'hôpital avec des gourdes et des grenades et des machettes. Ça a été respecté 2, 3, 4 jours, ça, pas plus. Mais pourquoi vous n'avez pas redemandé après ? C'était affiché, bien affiché sur la porte. J'essayais de tranquilliser à gauche, à droite, le personnel en redisant de vaquer à les activités, de ne pas se mêler de ces théories. Parce que j'avais choisi de préconiser la neutralité, de respecter la vie. Le docteur Touaguera nous ordonnait de rentrer dans l'hôpital et de tuer les gens. Le docteur Touaguera disait vraiment ça ? Je jure. Au Rwanda, certains prisonniers bénéficient d'une remise de peine quand ils acceptent de collaborer avec la justice. C'est ce qu'a choisi cet homme. Il est libre après 14 ans de prison. Il s'appelle Hassan. C'est l'un des assassins de la famille du docteur Camille. Et il a bien connu le docteur Touaguera. C'est ici, à quelques mètres de l'hôpital, dans ce bloc de maison réservé aux expatriés, que tout s'est passé. C'est bien dans cette maison que vous avez caché Béatrice ? Moi, j'habitais cette maison au milieu, et c'est là où j'avais caché Béatrice et ses enfants. Je les ravitaillais chaque matin et soir avec la nourriture qu'on faisait dans notre cuisine. Moi, j'étais à ce moment le seul qui avait accès, qui avait la clé des deux maisons. Hassan a accepté de revenir avec nous sur les lieux du crime. Le docteur Blam, un blanc, habitait là. Et dans cette maison, il y avait aussi des blancs, mais ils avaient quitté la ville. C'est là que le docteur Blam avait caché la femme et ses enfants. Un matin tôt, le veilleur de la région sanitaire à côté m'appelle et il me reproche qu'il y ait des gens dans la maison officiellement vide, la maison à côté où Béatrice était cachée. Il croit avoir entendu les cris d'enfants. Est-ce qu'il ne peut pas entrer ?
Alors là, je lui ai dit, non, non, c'est impossible, ça doit être notre enfant, nous avons un bébé. Non, non, c'était là, dans cette maison. Alors il a ciblé la maison où Béatrice était cachée. Bon, j'ai demandé à ces gens devant la clôture que je ne veux pas les laisser entrer, ils doivent forcer ou ils doivent venir avec un responsable pour le quartier. Et je m'attendais à ce qu'il amène un conseiller ou le bourgmestre ou quelqu'un, ou une autorité militaire. Mais ils sont venus avec Charles Touaguira. Le docteur Touaguira a immédiatement ordonné à Blam de nous donner les clés. Sinon, on allait casser la porte. Quand Blam a prétendu ne pas avoir la clé, Touaguira nous a dit « Cassez-moi cette porte et sortez les cafards ». Moi, j'étais en train de chercher du secours. Je n'ai pas participé ni à l'extraction de la maison, ni à l'assassinat de cette femme. Ils ont cassé la porte de la maison. C'était une porte en bois. Ils ont cassé, ils ont tiré, bon, ils ont entré, ils ont tiré sous les cris Béatrice et les enfants pleurant devant la porte. On est entré et on s'est dirigé vers cette pièce. À l'époque, c'était une chambre. C'est là qu'ils étaient cachés. Ils étaient totalement effrayés, ils ne voulaient pas bouger, on a dû les sortir de force. À cet instant, Touaguira n'imagine pas que nous avons retrouvé les témoins de la tragédie. Mais nos questions se font de plus en plus insistantes. Le médecin va finir par reconnaître sa présence sur les lieux. Quand on les a traînés de la maison, c'est là où Dr Blanc m'a appelé. Je les ai vus. Ça, je ne peux pas dire que je ne les ai pas vus. Et j'ai essayé d'intervenir à mon niveau, mais j'ai été dépassé par les événements. Alors, j'ai essayé de sauver ce qui est possible, de me porter garant, de demander à Charles si, pour le bien de la coopération, il ne peut pas laisser cette femme et les enfants. Ce sont des innocents. Ils n'ont rien fait, je porte garant pour eux. Le docteur Blam était ici. Il suppliait Touaguira d'épargner la famille. Il parlait en français. Il a dit non, pas question. Il faut les emmener d'ici, ils sont dangereux pour la sécurité du quartier et de l'hôpital. Je me rappelle très bien des mots qu'il répétait souvent, que c'est trop tard, il ne peut plus rien faire. C'est trop tard. Elle a supplié le docteur Touaguira de les épargner. Elle nous a même dit, je ne suis pas Tutsi, je suis Hutu, croyant ainsi être sauvé. Touaguira lui a alors répondu, va crever, sale cafard. Quand on les a entraînés par l'hôpital, et moi, je ne sais pas par quel courage, j'avais encore le courage de regarder par la fenêtre et j'ai vu comment on a abattu les enfants de Camille dans la fosse en face. Même une distance de 15 ans ne fait pas adoucir. Je regrette que je n'ai pas pu sauver la vie de la femme et d'Idrété et de ses enfants. Mais je ne pouvais rien, j'ai essayé ce que je pouvais. Malgré les témoignages accablants, Charles Touaguira s'en tient à la négation pure et simple. Un système de défense commun à toutes les personnes accusées de génocide. Je n'ai aucune responsabilité dans le génocide. J'ai une conscience tranquille. Une ligne de défense qui ne surprend pas les Gautier. C'est toujours la même chez les présumés génocidaires. Dès qu'il y a génocide, il y a obligatoirement négation de ce génocide parce que le crime est tellement incommensurable qu'aucune conscience humaine ne peut supporter l'idée d'y avoir participé. S'ils se mettent un jour ou l'autre à reconnaître qu'ils auraient pu participer au crime dont on les accuse, peut-être que là, quand même, il y aurait une petite lumière qui s'éclairerait dans leur conscience. Mais on a le sentiment d'avoir des gens
qui ont une conscience complètement... qui fait table rase de quelques mois dans leur existence. 1994, c'est une année qui pour eux probablement n'existe pas. Depuis 1994 au Rwanda, la justice est passée. Les Gacaca, les tribunaux populaires du pays, ont retrouvé et puni certains coupables. Dans le lot, Charles Touaguira. Il a été condamné, mais par contumace. Voilà le jugement de Touaguira. Il y a sur cet acte d'accusation tout ce qui lui est reproché. Conspiration de génocide, préparation du génocide, organisation et supervision du génocide, perpétration du génocide et acte inhumain. Touaguira a été condamné à la perpétuité, la peine la plus lourde de notre juridiction. Condamné dans son pays, le docteur Touaguira continue d'exercer au CHU de Rouen. Le collectif d'Alain Gauthier a déposé une plainte contre lui, mais la justice française ne l'a pas encore entendu. Pire, quand des Rwandais présumés génocidaires sont arrêtés, les policiers français les laissent repartir au bout de quelques heures. C'est ce qui est arrivé il y a 3 ans à Toulouse. À la demande d'Interpol, un ancien officier de haut rang de l'armée rwandaise est interpellé. Il est recherché pour génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité. Quelques heures de garde à vue seulement, et l'homme ressort totalement libre. Pour nous, c'est vraiment scandaleux de voir qu'un tel personnage puisse encore résider aujourd'hui en France sans être inquiété, en tout cas sans avoir été inquiété pendant de nombreux mois par la justice française, alors qu'on sait et on connaît ses responsabilités. Malgré ces événements, l'ex-militaire rwandais n'a pas quitté Toulouse. Il a juste changé de quartier, mais son adresse est toujours accessible. L'ancien soldat habite désormais cette cité où nous l'avons attendu. Il y mène lui aussi une vie discrète, en famille, reconverti dans la sécurité privée d'une supérette de quartier. Sur ses épaules, une vareuse de vigile a remplacé son uniforme de lieutenant-colonel. Bonjour monsieur, je voudrais parler à monsieur Bivu Gabagabo, s'il vous plaît. De la part de qui? Bonsoir monsieur Bivu Gabagabo. Je vous appelais parce que je suis en train de travailler sur le thème du génocide. Oui. Vous êtes bien le monsieur Bivu Gabagabo qui était à Rwangeri? Oui, oui. On dit des choses hein, sur votre participation au génocide, donc ça m'intéresse de vous rencontrer pour que vous m'expliquiez exactement ce qu'il en est. Je ne serai pas vraiment disponible là. Ah. Bon, dès que j'ai le créneau, je vous ferai signe. C'est à Rwenguéri, dans le nord du Rwanda, que le soldat Marcel Bivuga Bagabo s'illustre à l'époque. Nous sommes dans un fief historique Hutu, à la frontière de l'Ouganda. Dans cette région démarrent dès 1990 les premiers combats contre le front rebelle Tutsi. En 1993, le lieutenant-colonel Bivuga Bagabo met en place un programme de recrutement pour les jeunes de la ville. Dans un faubourg de Rwenguéri, nous avons retrouvé l'un de ses volontaires. Il a demandé aux responsables dans les quartiers de chercher et de rassembler des jeunes gars. Il disait que c'était pour intégrer l'armée d'Abiyarimana. Tout était faux. Tous ces gens sont en fait allés rejoindre les rangs des miliciens. Bref, on a commencé l'entraînement.
Un jour, nous étions au stade et le colonel Bivuga Bagabo est arrivé. Il nous a dit « Regardez-vous bien dans les yeux. Regardez-vous les uns les autres. Croyez-vous vraiment que vous pouvez tous intégrer l'armée? N'y a-t-il pas des Tutsis cachés parmi vous ?» On était deux Tutsis dans le lot. Et là, j'ai vraiment eu peur. Le colonel Bivuga Bagabo a rajouté « Je veux que vous affrontiez ces Tutsis. Et je ne parle pas seulement des cafards rebelles du FPR cachés dans la brousse. Je parle de tous les Tutsis. » Dans les jours qui suivent le déclenchement du génocide, Ruwenzori est bouclé. Les Interahamwe dressent des barrières à chaque carrefour. Malgré la terreur qui s'installe, quelques Tutsis s'aventurent dehors. C'est le cas de cet homme. Il est un témoin direct des agissements de Bivuga Bagabo dans la ville. Un jour, j'ai vu Bivuga Bagabo s'arrêter à la barrière, face à la station d'essence. Les miliciens qui y étaient sont tous allés à sa rencontre et lui ont fait un salut militaire. Ils l'ont salué comme une de leurs connaissances. Ils étaient très complices. On voyait clairement qu'ils collaboraient ensemble. Les miliciens avaient des fusils et des gourdins. Lorsque tu passais par là et qu'ils te soupçonnaient d'être Tutsi, ils t'arrêtaient et te demandaient tes papiers. Et ceux qu'ils arrêtaient, qu'est-ce qu'ils devenaient ? Ils les emmenaient, mais on ne sait pas où. On ne les revoyait pas. Tous ces miliciens, c'étaient des gars d'ici. Je reconnaissais bien leurs visages. La plupart ont pris la fuite et ne sont jamais revenus. D'autres sont en prison. Ruwenzori a sa prison, comme toutes les grandes villes du pays. Notre négociation avec les gardiens porte ses fruits. Un homme va nous être amené. C'est un tueur. Il purge une peine à perpétuité. Ces accusations contre Bivuga Bagabo font frémir. Je sais qu'il fait partie de ceux qui ont planifié et exécuté le génocide ici. Pourquoi dites-vous ça ? Il nous a toujours expliqué que nous devions exterminer les Tutsis, qu'ils étaient les ennemis de l'intérieur. Il nous a même distribué les armes pour le faire. À Toulouse, les choses ont évolué. Bonjour, de la part de Marcel Bivuga Bagabo. Je vous téléphone par rapport à l'entretien que vous aviez souhaité qu'on réalise entre vous et moi. Et je vous propose la semaine du 7 au 12 juin. À bientôt, merci. Un carrefour au centre de la ville comme premier lieu de rendez-vous, avant de nous emmener dans un presbytère du quartier. Devant notre caméra, l'ancien militaire va réfuter toutes les accusations. Dans le génocide en Genève, je ne me sens pas impliqué. Je n'ai pas de remords. Dans la mesure où je n'ai rien fait, je ne me sens, dans ma conscience, dans mon âme et conscience, je ne me reproche de rien. Et pourtant, nous l'avons vu, un témoin accuse formellement le militaire d'avoir recruté et formé des miliciens. Ça n'a pas existé. J'ai jamais recruté les Interahamwe. Vous n'êtes jamais allé au stade de Ruwenzori pour superviser des formations de miliciens? Jamais. Jamais. Mais la plus grave accusation pesant contre Bivuga Bagabo est celle que l'on appelle le massacre de la cour d'appel. Plus d'une centaine de Tutsis y ont été décimés. Une femme a pu échapper à ce carnage. Elle s'appelle Brigitte. Au moment des faits, c'était une toute jeune fille de 16 ans. La cour d'appel, la voici. Comme dans le reste du pays, la stratégie des génocidaires est la même. On regroupe les Tutsis, soi-disant pour les protéger. C'est en fait pour mieux les exterminer. Ce sont les gendarmes qui assuraient la sécurité ici, à la cour d'appel. Ils contrôlaient tout le secteur. Les miliciens, eux, circulaient en voiture. Ils faisaient tout le temps des patrouilles. Il y en avait partout. Parfois, ils venaient jusqu'ici. Ils rentraient dans la cour. Et ils nous tournaient autour, comme des lions affamés. «
Un soir, j'ai pu sortir d'ici. Un des gendarmes qui montait la garde m'a dit qu'ils avaient l'intention de massacrer tout le monde. Il m'a fait sortir discrètement. J'ai fui en laissant tous les autres derrière moi. Cette attaque contre les prisonniers Tutsi, Bizimana, le tueur, y a participé. Il est sans équivoque sur le rôle de Bivu Gabagabo. Il y a une réunion un jour où j'étais présent. C'est au cours de cette réunion qu'ils ont pris la décision de tuer tous les Tutsis qui étaient réfugiés à la cour d'appel. Qui a donné cet ordre ? Qui a donné l'ordre ? C'est Marcel Bivu Gabagabo. C'est même lui qui nous a donné des fusils. Et après, on allait chercher d'autres gars pour nous aider. Ce qui s'est passé à la cour d'appel de Rohingyeri, moi j'étais parti au front. Et je l'ai appris de retour. Au moment où je suis rentré dans la ville de Rohingyeri, c'est là, à ce moment-là, que j'ai appris ce qui s'était passé pendant mon absence. C'est bien lui qui a distribué les armes ? Oui, je confirme. C'est même lui qui nous ravitaillait quand on n'avait plus de munitions. Je n'ai jamais donné des armes à des miliciens. Vous allez me dire si vous connaissez cet homme. Oui. Il est détenu à la prison de Rohingyeri. Oui. Marcel était derrière tout ça ? Oui, oui. Il est venu vous voir, le cours d'appel ? Oui, il est venu. En partant, il nous a donné 50 000 francs rwandais. Et quand on est rentré à la barrière, après le massacre, il est venu en personne nous féliciter. Il nous a apporté des caisses de bière et on les a bu. Il vous accuse nommément d'avoir distribué des armes et qu'après, ils ont eu une récompense en argent, en francs rwandais, et que vous avez offert des bières. Impeccable. Tout est faux. C'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment amusant d'entendre cela. C'est aussi tragique dans la mesure où c'est monté sur les cadavres des gens. Parce que justement, c'est pas comme ça qu'on est de la justice. À Paris, les avocats du collectif des parties civiles pour le Rwanda ont eu le temps de bien étudier cette affaire. Et depuis 2 ans, ils attendent que la justice se manifeste. Peut-être le scandale est encore plus criant en ce qui le concerne, puisque les éléments d'une poursuite sont évidemment réunis. On a un présumé génocidaire, dont il est à peu près avéré qu'il a joué un rôle actif, et pas à n'importe quel niveau de la hiérarchie, dans le génocide, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé à son encontre, et d'une demande d'extradition. En même temps, nous avons déposé évidemment une plainte contre lui. Donc, le concernant, tous les éléments d'un éventuel procès sont réunis et personne ne fait rien. À ce jour, en France, 20 plaintes ont été déposées. Aucune n'a abouti. Et certains des présumés génocidaires visés n'ont même pas été entendus. Il ne fait absolument aucun doute pour moi qu'il n'y a pas eu la volonté nécessaire de la part des pouvoirs publics, toutes tendances politiques confondues, pour que ces affaires soient menées comme elles auraient dû l'être. La France a les magistrats compétents pour le faire. Elle a la police compétente pour le faire, notamment la gendarmerie compétente pour le faire. Et elle ne l'a pas fait. Donc si vous voulez, quand on a tous les moyens pour le faire, qu'on ne le fait pas, c'est qu'on ne veut pas le faire. C'est une évidence, presque enfantine. À l'autre bout de la France, les Gautier ne baissent pas les bras. Mais du génocide rwandais, ils savent qu'ils ne sortiront jamais. Trop de victimes, trop de tueurs, et une justice qui ne fait rien, ou si peu. On n'est pas au bout de nos peines, parce que nous en sommes, je dirais, qu'au balbutiement au niveau de la justice. Donc la route est encore longue. Pour
pour les victimes, c'est un débat hautement attendu. Et j'attends de la France, de la justice française, que ce débat ait lieu au grand jour et que on puisse au moins ressusciter un tout petit bout, mais un tout petit bout de nos disparus. C'est aussi le but d'un procès.